Toujours en cette fin de jeudi, moi je suis débecté. En larmes, citoyens, former la rébellion, voir tous ces cons qui payent pour des matchs de foot. Donc, ça doit faire du pognon, un sacré paquet de pognon. On pourrait nourrir tout le monde. J'en ai rien à foutre. Dans cette Ligue des Nations, pas de VAR. En revanche, il y aura la technologie. 4 minutes 50, bon, 0-0. Mbappé. Qui est touché après que le ballon. Les blancs qui sont bleus, les bleus qui sont blancs, ouais, ils sont bleus. Est sorti devant lui. Pouette. Vous en dites identifié à ça. Pour moi, c'est dramatique. Comment tu veux que j'aille rassembler tous les peuples quand vous pensez que le truc, que le pognon, c'est bien, alors que c'est le diable? C'est pas possible. J'ai dit que j'arriverais sans pognon, mais il va falloir de l'aide. Victime d'ostracisme avec mes meilleurs amis. Tu veux dire quoi? Oui, mais alors quand le père, la femme et les trois gosses vont venir te demander à manger parce que tu fais grève planétaire universelle, ben je dis oui, mais on fera caisse commune et on fera pas fosse commune. Bon. Tout est de la manipulation mentale, c'est de la merde. Le mec il est payé, je sais pas, 300 000 euros par mois pour dire fils de pute à la télé. Moi je le dis, mais c'est gratuit. T'es éternel, c'est toujours gratuit. On m'a proposé de monétiser, rien à foutre. Non, je ramasse les mégots par terre. Les ordures à pognon, je peux pas saquer. Les banquiers, les machins capitalistes, les trucs. Ouais. Au goulag, au RSA, plus rien. Comment on a trouvé le match? Bon, nul. On est à 6 minutes. C'est nul. On verra bien demain. J'ai rien à foutre. Le foot, j'en ai vraiment rien à foutre. En mon âme et conscience et subconscience, c'est pas un ballon de merde, c'est le ballon que t'as dans la tête qui compte. C'est tout. C'est bon. À la limite, bon, j'ai dit les gros mots avant, mais c'est pour les enfants. Quand on était petit, ouais, les images des joueurs de foot, on aimait bien tout ça. On ne savait pas à quel point c'était pourri. Vendeur 600 millions, hop, et non, quelqu'un ça va merder. Bon, enfin bref, ah, peut-être un quand on fera un. Voilà. Parce que j'en ai vraiment rien à foutre du foot. Demain est un grand jour. Un vraiment grand jour. Tu prends la physique des synchronicités de Philippe Guillemant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain nous sommes le 7. Le vendredi 7, très important. Je joue à 14h. Au 14 rue Trachel, donc ça fait 5 x 7, 35. Ma trilogie de quintessence de poèmes. Je me rappelle plus de la musique. Je me rappelle juste de Dark Vador, je l'ai fait ce matin. Dark Vador, tu sais. Et le diable, j'ai pété la gueule, mais laisse tomber. J'ai massacré. Bon, c'est virtuel. Hein. Demain, je vais faire mon sketch planétaire. Introduire dans tous les pays, dans tous les machins, tous les merdiers. Et puis c'est comme ça. À 9 minutes, c'est un match de merde. Bon, ça va. C'est toujours de la merde. Vous faites que de la merde. Résistant au collabo. Moi, je ne suis plus collabo de système. Ça fait depuis 2011 que je me reformate le disque mou tout seul.
Même mon acte d'extrait de naissance, il est faux. Depuis que je suis né, on m'a raconté que de la merde. Et vous êtes pareil, mais du commun des mortels, vous en rendez pas compte. Il y a 90% du cerveau qui vous sert à rien. Si tu ne te poses pas de questions. Si tu penses que toutes les réponses sont à la télé, t'es mort. T'es dans la Matrix. Là. Ça s'appelle. Bon. C'est pas comme au foot. Oh, j'y vois l'autre fils de pute, Boubar Harris, là, je sais pas quoi. Tout le rap de merde. Ils sont millionnaires, ce mec-là. À Gerbet sans palette. Ouais. Ouais.